J'ai pas d'objectif, mais il y a assez peu d'attentes sur ce que je vais faire, exactement où je vais aller. Je m'enlèverais énormément de possibilités de ressentir quelque chose d'incroyable si j'avais des attentes. Parce qu'après, on recherche quelque chose et on n'est pas dans le moment présent. Si je sors et que je fais une image dans la journée et qu'elle est réussie, c'est parfait. J'ai aucune intention d'en faire deux ou trois. Il faut revenir à l'essentiel. Le travail à la chambre photographique, il me force en fait une réflexion que je ferais pas d'habitude, où j'aurais peut-être perdu au fil des années en passant en numérique. Il faut vraiment trouver un cadrage, il faut trouver une lumière, il faut être sûr d'aimer ce qu'on voit avant de déclencher. Il faut savoir vraiment prendre le temps, plutôt que de faire une orgie d'images puis de trier par après, il faut faire vraiment l'inverse. Il faut trier dans sa tête ce qu'on voit et choisir quelque chose et faire une prise de vue, une seule. C'est pas un beau cliché que je cherche, c'est ressentir quelque chose. Et c'est que pour moi. À 18 ans, j'étais pas très bien, je crois que j'étais paumée sur qui je suis, sur plein de choses, sur je prends tout en pleine tronche en fait. C'était une période qui était très dure. J'étais au gymnase, aux études, sans vouloir bosser, sans avoir tellement de but, de projet, de projection, de métier ou quoi que ce soit. J'étais un peu une épave, j'étais pas très bien, enfin pas du tout bien d'ailleurs. Tout était beaucoup trop émotionnel, je crois. Je suis un peu tombée dans la photographie par hasard. Je suis tombée sur une annonce d'un employé qui cherchait un apprenti photographe de laboratoire. J'ai absolument adoré tout ce qui concernait la chambre noire, les développements, les tirages photos à l'argentique. Le patron m'a donné des bases dans la vie d'adulte, j'étais un peu assez immature, je pense. Il m'a donné la claque que j'avais besoin au bon moment. Le film noir-blanc est magnifique, enfin, le travail artisanal du développement qu'implique l'argentique, moi je l'adore. Mon amour pour la photographie elle vient vraiment de ce travail manuel. Et je veux pas perdre ça.
Quand j'ai eu mon CFC, c'était loin. J'avais besoin de voir autre chose. J'ai débarqué à Londres et puis j'ai fait 12 000 petits boulots à gauche, à droite. Et puis, par hasard, j'ai bossé avec un photographe. Et il m'a embarqué dans des shootings avec des chanteurs et tout. Et c'était tout sur le moment hyper intense. Et puis d'autres photographes qui faisaient de la mode. C'est un peu une effervescence. À un moment donné, le shooting de mode, il a une certaine énergie. Donc, j'ai eu un moment assez cool, j'ai bien aimé. Après, le monde de la mode, il est tout pour Axe. Il y a une telle compétition et c'est tout qui tu connais. C'était marrant et c'était désespérant à la fois. Au bout de 5 ans, j'en ai eu vraiment marre. Disons, j'en ai plein l'os de l'Angleterre, et puis il n'y a pas de montagne, et puis ça me manque, et puis j'ai envie de revenir en Suisse. Ah, il y en a plein, hein. Oui, oui. C'est fou, c'est vraiment leur quartier hivernaux, cette forêt. C'est sacré. Tu sais, des fois, il vient au-dessus du village. On l'a déjà vu une deux fois. Là. Il est ressorti? Ah oui. J'ai rencontré Cédric et je crois que ça m'a même cette nuit. Ça m'a donné confiance. Il va pleurer, après il va se foutre de moi. Ben, ma rencontre avec Cédric, c'est pas juste... J'étais pas en train de me chercher ou quoi que ce soit, j'étais toujours paumée. Et puis j'étais toujours... Quand ça va pas, je pars. Et puis je crois que j'ai fait ça toute ma vie. C'est bon ? Ma rencontre avec lui, ça m'a donné un monstre coup de frein. Ça joue ? Ça marche ? T'es prête ? Ça m'a donné confiance en l'humain. Tu peux descendre, ouais, gentiment. Tout tranquille. Tu me je veux pas aller dans l'arbre. Oh, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, tout tranquille. Tac. Encore ? Moi, je me suis dit, quasiment en 2 mois, ce mec-là, je le planterai jamais, c'est pas possible. Et puis, c'était une évidence. J'avais jamais rencontré quelqu'un comme ça. Encore un petit peu ? En bas, tout en bas sur la vire, j'arrive pas à descendre. Faut que je change le système. Non, non. Si je fais ça, mais... Allez, ouais, vas-y. Ouais. Ouais, je suis assez bien, en fait. Fanny, c'est un feu d'artifice. Elle est dans la vie, elle avance. Alors des fois, faut suivre. Quand on s'est rencontrés, elle avait fait plusieurs années dans des grandes villes, entre Paris et Londres, donc 7 ans environ. Et je me suis dit, là, quand on s'est rencontrés, puis qu'elle est venue habiter à Ventône, je me suis dit, est-ce que ça va durer sur la longueur? Et puis non, en fait, elle avait vraiment ce besoin de couper avec cette vie citadine et revenir à quelque chose de naturel. Et puis de plus en plus, elle s'est reconnectée à cette nature avec de plus en plus d'intensité. Là, t'as une belle prise de vue, là. Là, je suis prête pour le JPEG, il faut juste qu'il vienne. Après, on le voit plutôt là-bas, sur l'autre versant. Il va réapparaître. J'ai repris une formation d'accompagnatrice de randonnée. En même temps, j'ai eu un intérêt grandissant pour tout ce qui est faune.
J'ai commencé à photographier les paysages ou certains animaux par recherche d'une réelle émotion qui va au-delà d'une beauté d'une photo. C'est trop personnel, en fait. Pendant longtemps, j'ai fait des photos pour personne. Enfin, j'ai montré à personne mon travail. Le cyanotype, c'est un procédé d'impression monochrome ultra simple, dans le sens où il y a une page, un papier, et on peint une émulsion qui est sensible aux UV. On laisse sécher, ensuite on met un négatif dessus et on balance ça au soleil un moment. C'est certainement un procédé qui s'apparente un peu à la peinture ou au dessin. Je verrais ça comme un ruisseau qui serpente entre les deux. Ensuite, on révèle à l'eau. Il n'y a pas plus simple comme procédé. C'est propre, c'est respectueux de l'environnement. On n'a que de l'eau ou parfois du vinaigre. Je crois que je suis quelqu'un qui suis speed parce que j'ai beaucoup de choses qui se passent en même temps dans ma tête. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ces procédés qui sont super lents et qui demandent réflexion. Et je pense que c'est parce que j'en avais besoin. Je ne peux pas être tout le temps speed, sinon je vais m'user. Et je pense que ça m'a balancé comme ça. J'ai trouvé un équilibre là-dedans entre deux extrêmes. J'ai cette possibilité de passer de l'un à l'autre et me sentir bien à la fin de la journée. Thank you.
y a quelques années, et j'apprends qu'il y a des lynx dans notre forêt en Valais. Bêtement, naïvement, par manque de connaissances, moi j'assimilais le lynx au Jura. Et puis je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de voir s'il passe par chez moi. Avec mon mari, on s'est dit, on va s'acheter un piège photographique. On va le poser là où on pense que. Autant dire que c'est une aiguille dans une botte de foin. Et je pense qu'on n'a pas eu à attendre 2 mois, quelques semaines, et paf, un lynx. C'était incroyable. On reçoit la photo le matin, on était les deux au lit, on a sauté au plafond, on n'en pouvait plus. En plus, il y avait de la neige. Je suis comme un enfant qui fait une enquête. C'est sur le plat, là, hein, qu'on avait vu les traces la dernière fois. Ouais. C'est là où t'es venue l'autre jour, alors? Bah oui, elles sont encore là, regarde. Elles sont presque toutes parties, mais il était là, il a passé comme ça. Puis après, on n'a pas vu où il est allé. Il me semble que l'autre jour, on voyait encore les traces. Il a passé droit là, sur le nez. Je ne l'ai jamais vu. Mais il m'a donné tellement de bonheur. J'ai passé des journées à remonter ses traces, à trouver des poils. Ça paraît débile, mais je crois que c'est les moments naturalistes les plus dingues. Maintenant, là, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Tu vois, déjà, rien que les traces profondes, normalement, de la biche ou du cerf, là, on ne voit plus rien. Non, 3, c'est maintenant 2. 3, 2, 2. On va faire un truc pour papa. Viens, tu vas prendre celle-là avec la main. Vas-y. Même toi, Nomi, avec plaisir, vous avez les bras lourds. Vous avez des grands bras. Donc on a les bras lourds. On a une famille de l'extérieur complètement typique, je crois, avec deux enfants. Une maison, un village, des amis et tout. Et puis je crois que de l'intérieur, on a une monstre particularité, c'est que notre fils est autiste Asperger. Et du coup, on a dû tous apprendre ce que c'est que ce trouble. Et puis tous les quatre, on doit faire avec tous les jours. C'est absolument énergivore. Liam, il a une force incroyable, c'est d'avoir une volonté. Il va faire des efforts au quotidien, immenses, pour s'adapter. Et c'est un guerrier, quoi. Ouais, joli. Pour aider quelqu'un qui est en difficulté, il faut être bien, il faut être super bien. Et ben, la vie, elle fait que c'est jamais linéaire, surtout pas dans la mienne. Et moi, il y a des moments donnés où j'ai moins d'énergie, où je suis plus fatiguée, où j'ai... Voilà, on a tous des cycles. Et puis quand c'est difficile pour lui et que c'est difficile pour moi, c'est vraiment difficile. On est obligé d'avoir des pauses et on a tous une place à prendre dans cette famille. Et franchement, je crois que si je fais de la photo aujourd'hui, c'est grâce à ça. Go ! Allez hop ! Allez, allez, Lomi ! Fanny, elle a besoin justement dans ces moments difficiles de pouvoir effectivement sortir la photographie. Et pas forcément le but ultime. Ça peut être d'aller en nature tout simplement. Et puis ça, c'est vraiment indispensable, effectivement. Elle a fait. Quand je suis dehors, c'est des bulles, c'est des énormes bulles sensorielles dans le calme. Alors que des fois, cette famille, elle tourbillonne dans les tsunamis et les volcans. C'est vraiment une balance qui s'est faite tout seul.
c'est assez compliqué à expliquer qu'est-ce qui m'émeut quand je suis dehors. C'est autant subtil que l'odeur du vent, quelque chose qui est inexplicable. Ça m'émerveille à un tel point où je me dis je dois m'arrêter, je respire et je ferme les yeux et c'est super intense en fait. C'est tellement calme et c'est serein que moi ça me ressource énormément. C'est vraiment compliqué pour moi de montrer mes images. Pas logistiquement, mais parce qu'il faut être content de son travail pour oser le montrer. Salut, Fanny. Oh, comment vas-tu? Ça roule, il fait froid, ça va? Tiens, bien. Oui. Et toi? Bienvenue. Je t'amène des nouveaux trucs. Ah, super. Alors, je vais t'aider à déballer. J'ai fait des assez grands, mais ils font un mètre. C'est vrai? Ouais. Oh. Ah, puis ça, c'est des tout nouveaux, ouais, ça. Ouais, t'as jamais vu. Wow, génial. Ça, c'est le tétra que j'avais fait. Sous la pluie. Ouais. Et puis les... Les foulques. Les foulques. Très, très bleu, celui-là. Regarde. Ah. T'as vu, tu vois, tu dois le voir de loin. Ouais, mais ça change de beaucoup. Ça change extrêmement. Ouais, ça change vraiment beaucoup de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Un beau cerf. Ouais. Enfin, moi, sérieux, je fais jamais ça. J'ai jamais fait des trucs comme ça. Perso, j'adore. Chaque fois que des nouvelles personnes découvrent son travail, se demandent tout le temps, mais qu'est-ce que c'est au fait? Sont très très intrigués par ce qu'ils voient. Est-ce que c'est de la photographie? Est-ce que c'est de la peinture? Est-ce que c'est du dessin? Il y a ce mixte-là qui, je pense, plaît beaucoup aux gens. Puis ça, c'est une avocette élégante, elle est toute dans l'eau, toute douce. C'était tellement galère à faire, je crois que je l'ai 8 fois j'ai raté. Ah ouais. C'est, tu vois, l'exposition au soleil, c'est une, je sais pas, une demi-minute de trop, une demi-minute de pas assez. Ouais, il est très léger, très fin celui-là. Ouais, il est super compliqué à refaire. Ça, c'est un choc à... Il y a certaines images qui me plaisent à moi, et puis je sais pas si elles plaisent aux autres, mais c'est un peu tout moi qu'on met sur les murs. Il y a une histoire derrière chacune des images qui, moi, m'a un peu ébranlée à un moment donné. Et du coup, c'est très intime, en fait, je crois, de vendre un truc que j'ai fabriqué. Alors, claque. J'ai très, très peur. Non, t'es pas dedans. Et d'un autre côté, je trouve que c'est extrêmement gratifiant d'avoir des gens qui viennent voir ton travail. Là. Voilà. Aujourd'hui, les enfants, Cédric et moi, on a trouvé une sorte d'équilibre, je crois, entre laisser la place à chacun et puis s'épauler quand on a besoin. Je suis plus dans une espèce de confrontation nécessaire pour me trouver du temps à moi. Et puis maintenant, je vais dehors faire des images pour continuer à accompagner mon travail dans le bon sens, en étant plus doux et plus bienveillant pour moi.